Bonsoir à tout le monde là. Bon, vous avez déjà fini de faire votre live non? Vous avez déjà fini de faire vos lives d'où vous réglez vos problèmes en cuisine interne là, hein? Mais on n'est pas dedans. Il faut arrêter de. Il faut qu'on arrête de se faire l'hypocrisie en nous la résistance. En tout cas, ce live, je m'adresse à toutes les personnes qui se sentent visées. Hein, c'est sans tabou. On se dit ça clair. Et c'est, même si on parle en dessous de la ceinture, moi, je m'en fous. C'est déjà celui qui n'est pas capable de me supporter me bloque parce que on est tous sur les réseaux sociaux. On est peut-être censé ne pas se voir dans les jours à venir. Peut-être qu'on se verra jamais, d'accord? Moi, je vais répondre directement par rapport à cette affaire de... à l'affaire qui est en train de flamber un peu la toile entre avec Momo Kinga, comment on appelle, Messi Nandon et son nouveau patron Fangema. On a cassé la vérité, pardon, évitez l'affaire que non, Crépin, laisse tomber, ce n'est pas pour toi. Arrêtez. Mesdames et messieurs, vous vous souvenez, il y a de cela 1 à 2 ans, on parlait dans la résistance qu'il faudrait avoir une résistance qualitative aussi bien quantitative, mais dans la quantité on doit avoir un maximum de qualité. On ne peut pas continuer à marcher dans une résistance d'où on accuse certains sans preuve pour venir faire du mal, pour venir couvrir les autres. On ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas demander aux gens de se mettre dans la rue si parmi vous, il y a des gens qui fonctionnent avec le système en place. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça. On a accusé, à peine là, on a, avec l'audio d'où il y avait Danger, plutôt l'audio d'où il y avait Jonas Moulenda et Adiatis, on a tapé sur les deux sans pourtant, en tout cas, on a tapé sur les deux. On n'a pas réglé l'affaire en cuisine interne. Récemment, on vient d'accuser Danger d'être en connivence avec le système et d'avoir écrit les messages à Brice Lacris à Lianga. Jusqu'à présent, ils ont dit que Danger était un espion. Mais attendez, comment une personne qui est espion va faire son espionnage? C'est-à-dire qu'un au Canada, les autres sont là à Washington. Ou bien tu es à Washington, l'autre là-bas, il est au Michigan. Comment on va être un espion avec une large distance? Même James Bond 007 ne peut pas espionner quelqu'un qui est peut-être à l'embarrainé. Lui-même, il est en Grande-Bretagne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le cam Hervé et Messi Nandon m'a arrêté de faire ce qu'on appelle parce que c'était Danger. On a accusé Danger sans preuve. On a fait de même avec Huguette sans preuve. Ok, avec l'affaire Huguette, c'était que quoi? On a dit que Huguette était à montrer l'argent avec qu'on appelle ça, la femme là, Marie-Madeleine Moranto et son mari aux États-Unis. On n'a pas vu, on a aucune photo, on n'a pas les audios, d'accord? À peine là, vous venez de taper dessus sur Danger. Je cite, il y a la Dream Team, il y a Yannick Ndomba. Vous avez tapé sur Danger, non? Est-ce que jusqu'à présent, vous avez montré les preuves qui peuvent accuser Danger d'aller en connivence avec le système en place pour vouloir récupérer son retour? Jusqu'à présent, vous êtes des incapables de démontrer ça. Maintenant, avec Messi Nando aujourd'hui, Messi Nando dans ses vidéos, tous les jours, il dit que le gouvernement Bongo PDG et tout ce qui travaille dans le gouvernement, le Gabon est dirigé par des voyous. Vous avez, à tout moment, quand Messi Nando fait les vidéos sur ça, il dit bel et bien que le gouvernement gabonais est dirigé par des voyous. Donc, il faut prendre les mots tels qu'ils sont. Hein? Tels qu'ils sont autant pour moi. Si Messi Nando peut dire que le gouvernement gabonais est un gouvernement de voyous, il faut savoir que, dans un premier temps, si on voit la genèse des choses, il a rencontré Fangema, comme il le dit, en décembre, avant qu'il ne soit même candidat, avant qu'il soit député. Ils sont rencontrés. On ne sait pas sur quelle base ils sont rencontrés. Là, c'est entre eux là-bas. Maintenant, Fangema aujourd'hui a rejoint les voyous. Si tu as été porte avec
Franck Guéma avant qu'il soit député. Et qu'aujourd'hui, Franck Guéma a maintenant rejoint le club des voyous, que tu dis que non, le gouvernement en place, ce sont des voyous. Mais prends aussi, faut aussi prendre Franck Guéma, même si c'était ton pote, tu le mets aussi dans le cercle où se trouvent les voyous. Donc, ces voyous font souffrir le peuple gabonais que moi je suis. Je fais partie du peuple gabonais et nombreux souffrent par rapport à ça. La preuve, si M. Nando était sérieux dans son activisme, dans son envie de voir le Gabon être libéré de ces perfides trompeurs qui mettent le poison et répandent la peur, il ne peut plus voir les voyous à la tête de notre État, il faut qu'il soit sincère, il faut qu'il soit clair dans ce qu'il fait. Il communique avec Franck Guéma. Franck Guéma, depuis combien de temps? Franck Guéma est parti au One Planet Summit, non? Aller rencontrer Macron pour dire que Ali Bongo aurait voulu être là. Il faut passer sa situation. Bon, quand les Gabonais ont vu la vidéo là qui s'est passée sur le net, les Gabonais ont dit quoi? Que ah, donc Franck Guéma aussi est en train de faire passer le message pour dire que Ali Bongo est mort, alors est vivant, alors qu'il est mort, non? Mais si non, lui maintenant cette vidéo il dit qu'Ali Bongo est mort, non? Bon, Franck Guéma est allé faire un truc comme ça pour vouloir amadouer le peuple. Avez-vous vu la vidéo que Messi Nando a fait contre pour dénoncer le comportement de Franck Guéma? Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Si c'était maintenant à la place de Franck Guéma, on mettait exemple Mahanga Moussavou qui aurait fait ça. Il aurait fait une vidéo pour parler à Mahanga Moussavou, non? Quoi? C'est une affaire de choix. Est-ce que maintenant on choisit maintenant à qui on doit parler dans la résistance? On a venu critiquer dans les lives. Vous pensez que le Gabon c'est quoi? Ou bien vous faites ce qu'on appelle le tribalisme. Je vais en venir là-dessus. Vous avez attaqué Danger. Maintenant, vous sans preuve. Jusqu'à présent, il n'y a pas les preuves sur Danger. Maintenant, vous revenez maintenant sur. Voilà Messi qui fait avec les voyous. Qui lui-même qui dit que non. Le Gabon n'existe que par les voyous. Lui-même, il fait avec les voyous. Pourquoi il dit maintenant les vidéos que non. Le gouvernement gabonais s'est réveillé par des voyous. Mais franchement, aussi, est voyou. Franck Guéma est voyou. Pourquoi quand Franck Guéma s'est comporté mal là-bas du côté de l'Ouan Brian Summit, vous dites qu'Ali Bongo est vivant en voulant amadouer Macron, pourquoi il n'a pas fait une vidéo pour dire que Franck Guéma est un voyou, ce n'est pas normal? Il a fermé sa bouche, non? Pourquoi il ferme sa bouche? Posez-moi un peu la question. Allumez aussi vos cerveaux. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a été muté? Yannick Nomba, vous avez tous dit que Danger était corrompu, non? Montrez les preuves. Bon, maintenant avec Messi Nando, où est ta bouche? Où est ton charisme? Pourquoi tu ne dis pas que Messi Nando, tu es un voyou? Parce qu'il faut faire avec un voyou. Tu es un élu, la Kanda ou Pelle, même je ne connais même pas. Ils sont. Aujourd'hui, maintenant, ils travaillent maintenant avec le système de Bongo. Et avec le gouvernement de Bongo, ça veut dire qu'il se bat encore et embrassé dans le poste des ministres qu'il est. Il va aussi perdurer là-dessus. Et autant qu'il défend Ali Bongo Limba, c'est qu'il est en train de nous fouetter. Mais s'il ne sait pas ça, pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Si vous dites que si même il dit bien que le gouvernement du Gabon, c'est les voyous. Mais Franck Guéma travaille dans quel gouvernement en ce moment? C'est pas lui les voyous. Vous parlez, mais quoi, Franck Guéma est allé me délivrer avec mon mot. D'abord, même quand on a enfermé Hervé, où est la raison à laquelle on l'enferme? Quoi? Outrage au président de la République, c'est un délit. Donald Trump, on insiste là-bas, non? Il n'a pas dit mettre un en prison. C'est une raison de mettre un en prison. Vous voulez faire le buzz sur un voyou comme Franck Guéma pour dire que non, il a délivré avec mon mot Kinga. Il va lui demander que non, bon, je peux t'aider, je peux avec Messi. Bon, Messi, tu es qui pour négocier la libération de Maman Kinga et puis vous voulez mettre au Panthéon un voyou qui est tout à tu dis que non, bon, ceux qui sont le gouvernement sont tous des voyous. Pourquoi tu veux la mettre Franck Guéma au-dessus des gens? C'est pas un voyou. Les gens comme la Dream Team, vous tous, je vous mets dedans, la Dream Team. Comment s'appelle ça? Yannick Nomba. Vous savez que c'est Danger qui c'est un corrompu. Non? Bon, vous n'avez même pas les preuves. Bon, maintenant avec Messi, c'est là. Vous faites les lives sur le sens du poil. Vous avez peur d'aider à Messi que non? Messi, tu fais avec les voyous. Ce n'est pas normal. Vous êtes des peureux, vous tous. Vous êtes des sales peureux.
Et je suis, j'ai honte d'un résistant. On peut, pour faire ce pouvoir en place, on a besoin de travailler avec les résistants sincères, comme avec Mambo. Avec Mambo a tout perdu. S'il veut, il a tout fait. S'il avait fait, il même acheté. Qui va venir parler qu'il avait été corrompu? Vous pouvez quitter la balle, vous venez faire la prison comme Hervé. Il faut être fou. S'il a refusé, mais s'il a venu contredire quoi en faisant un live pour dire que non, il est dessus de Mambo Kinga. Il refuse de prendre la nation des Franck Guéma. Il faut être fier d'avoir les enfants comme ça. Il faut être fier d'avoir les enfants comme avec Mambo. Et puis, mais si vous voulez vous raconter des conneries, vous voulez dire que non, il est déçu. Si le gouvernement est vraiment en place, qui dit que le Gabon c'est des voyous, Franck Guéma est voyou, si et si Messi défend Franck Guéma, lui il est voyou. Messi, ferme ta bouche, tu es voyou, tu es voyou, tu es même un assassin, mais t'es pas ça. Quand j'habite au Gabon, viens me trouver au Gabon ici là, tu connais où j'habite non, j'habite dans la marée, je n'aime pas les voyous, tu es voyou, pourquoi je dis ça? Personne, ils sont tous là. Vous n'avez pas eu le quoi c'était à Messi que non, ce que tu as tenté de faire, c'est n'importe quoi. C'est pas Franck Guéma qui est en train de défendre Ali là, qui court comme un chien pour dire qu'Ali Bongo est vivant. Toi-même, Messi, tu dis qu'Ali Ali est mort non? Pourquoi lui maintenant? Pourquoi lui avec tu fonctionnes, dit qu'Ali est vivant? C'est pas un voyou aussi? Dis-lui ça! Vous mangez l'argent pour le pouvoir et puis vous embêtez les gens. Et puis tu es venu gronder Hervé. Est-ce qu'elle est obligée de prendre l'argent? Si Franck Guéma veut aider une personne, en tant qu'il paye une personne qui a quand même un sens humanitaire, il peut seulement donner l'argent à Hervé Guéma. Hervé prend l'argent, bon, fais un peu un légèrement de recul, mais si tu continues ton combat, comment tu continues ton combat? Si tu fais du social, tu ne peux pas poser des conditions à une personne par rapport à l'aide que tu veux lui poser. Mais si tu es un voyou, chien, et tu as dit ça aujourd'hui là, tu as les paroles sur la marée, non? Ou bien André là. Tu en vois même, tu vois un. Il vient, il se pose à la porte, c'est casse la gueule ici là. Tu es un voyou. Ça c'est quoi? Donc si je m'étais fait personnel là à Douma en 2016 pour le Gabon, la réalisation devait être comme ça, tachée par des voyous que c'est des grandes personnes comme il y a une Ndomba et d'autres choses. Nous ne pouvons pas lui dire ça en tant que tu es un voyou. Vous voulez que le local de Messi, pendant deux fois, on règle ça en cuisine interne. Celui qui m'écrit inbox, vous voulez que quelqu'un ne te fâche pas, on règle ça en cuisine interne, je l'expose comme Hervé. Je mets ça sur la toile. Ça c'est quoi? Mais bon, où sont les preuves sur Danger, imbécile que vous êtes? Vous avez la preuve sur Danger qui est corrompu. Voici Messi, non? Parlez à Messi. Ou bien c'est une résistance, nous on fait l'hypocrisie, le tribalisme. Parce que quoi? Mais si c'est un fond, tu ne peux pas parler là, mais c'est que non, c'est que peut-être que tu peux, c'est pas bon. Mais quand ça va être un job, vous avez dit que vous, c'est déjà semaine corrompu. Vous faites là les addictifs privés. Vous avez vu, même James Bond peut faire l'espionnage, il est là-bas à Marrakech, et puis celui qui a dit l'espionnage, il est au Groenland. Ça va marcher comment? N'importe quoi. Mais si c'est un voyou, faut lui dire ça. Faut lui dire ça, c'est un voyou. C'est moi qui ai dit ça ici là. Il y a les parents à Manon, il y a m'attaquer ici là. Voyou. Et si tu continues à faire avec Franck Guéma, c'est que tu es voyou. Si tu peux faire en sorte qu'on ait une personne, c'est que tu peux faire en sorte qu'on emprisonne les gens. Tu penses que le système en place peut accepter de venir travailler avec un ministre parmi eux qu'ils ont intégré pour cette tentation de serment avec devenir. Attendez, un ministre. Bon, tu es le petit au niveau de Amo. Tout le monde sait bien que Amo, il a été tué, c'est par ce système. Le neveu quitte, il oublie même qu'il a pleuré, que la famille Amo a pleuré. Il part travailler avec le système en place pour dire que non, mon rôle c'est maintenant ministre pour libérer les prisonniers. Bon, si déjà un ministre peut libérer les prisonniers politiques, bon, vous êtes sûr que le gouvernement actuel peut accepter d'être à côté d'un ministre qui l'a trahi, c'est-à-dire qu'un gars qui est mal pour libérer les prisonniers politiques, il faut arrêter. Il y a quelque chose derrière ce que Franck Guéma fait. Et même Stéphane Blanc avait fait une vidéo pour dire que même Messi, tu joues le jeu de la GEF.
Il a demandé même un live auquel il peut parler, comme il avait fait avec Marceau. Messi a refusé. Pourquoi tu refuses? Tu es un convaincu? Tu fais la vidéo sur avec mon Kinga, tu lui parles que la vidéo qui fait ça n'importe peu. Tu penses qu'on a mis Hervé en prison pour passer quoi? Parce qu'il a violé, il a violé l'enfant de Bongo, ou bien ça colle des vidéos là. Et c'est même sûr que quand ça s'est déparé là, toi tu peux même foutre en prison et puis tu te caches. Ça veut dire que si Messi peut parler au nom du CGR, c'est que le CGR c'est pourri. CGR pourri. Chassez-moi Messi là-bas. Il va pas par rapport à quoi? Quand si le message, exemple, le message était passé selon lequel que voilà, Ali Bongo serait mort, alors que toi-même tu es vivant et que toi-même tu dis que Messi, que Ali Bongo est mort. Maintenant, comment tu peux parler avec une personne comme ça? Qui dit le concept que toi tu dénonces? Comment tu parles avec une personne comme ça? Tu es un voyou? Alors, faut que tu fasses emmener les gens. Herbert, tu es un homme digne. Ne prends pas l'argent sale. Alors que tu prends l'argent, c'est l'argent du sang des Gabonais. Et c'est même l'argent même que les retraités sont en train de bouder là. À la place de Franck Guémassi, on aura mis Edouard Zondo en train de dire que Ali Bongo, Monsieur Macron, Ali Bongo aurait voulu être là, mais il m'a passé ses messages. Mais s'il devait faire le live pour insulter le gars. Mais quand c'est Franck Guémassi, quand Franck Guémassi lui donne l'argent encore, Franck Guémassi te paye, ne boude même pas un peu. Franck Guémassi te paye. Pourquoi tu vas réagir que non, bon, Franck Guémassi, vu que toi, merci, non, merci. Attends, on va manger. Merci. Ah, toi-même, tu dis depuis que Ali Bongo est mort dans tes vidéos, non? Moi, mon sujet dit ça. Mais Franck Guémassi a dit d'abord que non, monsieur, voilà, il a voulu amadouer tout un peuple avec ce message-là. Pourquoi tu vas pas critiquer que non? Oh, mais Franck Guémassi, tu es un bandit. Ali Bongo est mort. Pourquoi j'ai pas dit ça? Quoi? Vous prenez pour les bêtes? Donc les martyrs sont morts là, c'est cadeau? Avec les chiens comme ça qui jouent deux camps? Pas me porter plainte! En tout cas, même si maman m'envoie en prison, Franck est malade, non? Je vais sortir de prison? Puis que le délivré des prisonniers. Je vais sortir de prison? Ou bien, si c'est Franck qui se bat pour m'amener en prison, envoyer en prison, toi-même encore tu sors de prison. Je vais pas faire la prison, c'est que tu es dehors? Tu es un voyou? Vous faites les dossiers, vous faites les lives au sens du poil. Tu as peur de dire à me dire que tu fais le système. Tu fais le taille, non? Tu fais les gros fers, mais tu vas t'amener où? Oh! Faut arrêter ça, faut arrêter l'hypocrisie. Une résistance basée sur l'hypocrisie, sur le tribalisme. Plus quoi encore, j'avais même écrit ça. Attends d'abord. Ah, je m'en fous même. Une résistance qui est basée sur ça, c'est une résistance. On était nombreux en 2016. Et nous ne sommes plus nombreux parce que quoi? Les gens ont constaté qu'il y a trop d'injustice. Bob Danger, on insulte. Oh, tu le commences avec la couche. Sans preuve. Comme ce qu'on a fait à Huguette. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Donc, vous qui faites le deux poids, deux mesures, allez aussi demander aussi excuse à Huguette. Puis qu'on a accusé sans preuve. Où sont les photos? Danger, on a accusé. Où sont les photos? Mais messieurs là, l'audio. On a insulté Moulinda et Thibault, non? On a insulté Moulinda et Thibault, non? Avec l'audio. Bon, il n'y a pas l'audio du doux. Franck m'a dit que non, j'ai parlé avec Messi. Donc maintenant, Messi, maintenant, aussi dans l'ombre. Ça veut dire que si Hervé n'avait pas eu le courage de refuser l'offre de Franck Guémassi, s'il n'avait pas publié l'appel entre Franck Guémassi et lui, on devait jamais savoir que. Mais si face avec une personne comme ça qui veut amadouer le peuple que Ali Bongo est vivant alors que lui-même que Messi dans ses vidéos dit que Ali Bongo est mort, Abana, Anana, c'est lui-même qui parle comme ça, non? Bon, il fait avec une personne qui dit le contraire, il flirte avec une personne qui dit le contraire de ce que lui-même il dit et qu'il affirme. Qui est voyou? Tu es un voyou, Messi? Je ne suis pas en colère, Lion de Judas. Je ne veux pas l'hypocrisie. Ça c'est quoi? Vous avez peur de dire ça à Messi par rapport à quoi? Messi c'est qui? Ça c'est quoi? C'est pour ça que même que Huguette vous clash dans les lives tous les jours. Après on dit que elle est folle. Elle est folle comment? Comment elle peut pas avoir les failles
prouver que vous êtes des voyous, que on est une résistance basée sur sur des voyous. Elle n'aura pas la preuve. Comment? Oh, toi tu veux me faire la demande pour parler là. J'espère que tu n'es pas venu pour venir faire comme pour dire non. Si, attention, hein. Il te bloque et puis. D'abord, on ne s'est pas encore vu nous tous, hein. Voilà. J'en ai fini avec vous. Ça, c'est quoi? Ah, pardon, grand Georges Passy. Pardon, excuse-moi, pardon, je suis fâché. Je suis désolé, pardon. Oh. Faut arrêter? Bonsoir, parents. Allô? Bonsoir, mon grand frère. Vraiment, désolé du... Oui, bonsoir, mon grand frère. Oui, bonsoir. Vraiment désolé du tempo, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Oui, oui, je suis bonsoir, depuis... Oui, bonsoir, je suis depuis ton direct. Si tu regardes bien les vidéos avant, j'étais tout le temps avec les parents gabonais dans les manifestations à Paris. J'étais tout le temps avec eux devant l'ambassade du Gabon. Mais une seule chose, il y a pas mal d'hypocrites dans ce combat à Paris. Il y a pas mal de jaloux, des haineux dans ce combat. Il y a pas mal des gens qui amènent la division. Mais moi, je crois que c'est pas en mettant la division vis-à-vis des résistants, des combattants, mais c'est de chercher à en découdre avec le système qui perdure depuis 50 ans au Gabon et qui appauvrit le peuple gabonais et qui ont fait que la population des Gabonais n'ont jamais pris un taux élevé. Pourquoi? Parce que les crimes rituels, hein, les détournements de fonds, hein, la pauvreté, hein, exclusion de l'éducation nationale. Je crois que tous ces sujets sont mieux importants à en parler que de chercher à casser les diasporas. Mais moi, je suis déçu quand je regarde pas mal, je vois, hein, je vois pas mal des discours des Gabonais aujourd'hui. Je suis déçu. Ça, ce n'est plus le combat. Ça, c'est le désordre, on appelle cela. Alors, si les gens croient qu'on va libérer l'Afrique dans le désordre, mais les gens tapent de côté. Voilà pourquoi les Bongos, les Sassou Nguesso, les Kabila et les Félix qui ont triché aux élections en RDC se moquent beaucoup de nous, les compatriotes africains. On se moque beaucoup de nous parce que, au fait, les gens n'ont pas compris la réalité des choses. Nous avons besoin aujourd'hui d'être unis. Je vais t'envoyer un direct d'un vieux papa qui est un professeur. Il a parlé dans un grand restaurant à pas mal d'Africains. Il leur a dit, bientôt moi je vais partir, mais je vous donne ce message. Arrêtez de dire que vous êtes Gabonais, Camerounais, Tchadiens, Sénégalais. Aujourd'hui vous devez dire, tous nous sommes Africains. Parce que les Blancs, entre eux, ils ne se disent pas qu'ils sont de tel pays. Entre eux, ils s'entendent. Et c'est eux qui foutent la merde en Afrique. Alors nous devons comprendre que pour combattre les systèmes de la dictature, nous devons être ensemble. Aimons-nous. Hein? Les gens aujourd'hui, quand j'entends, ils sont en train d'accuser le frère qui est aux États-Unis d'être incorrompu. Est-ce qu'ils ont des preuves? Est-ce qu'ils ont des vidéos? Est-ce qu'ils ont des photos où ce qu'on montre, il a pris l'argent? Hein? Non, il faut que les gens arrêtent les mensonges. Mon Dieu. Tout à l'heure, tu as parlé même de Tata Huguette. Que les gens sont en train de l'accuser qu'elle travaille avec le système, qu'elle a pris l'argent. Est-ce que les gens ont une preuve? Si Tata Huguette avait pris de l'argent, comment elle peut vivre chez sa famille aux États-Unis? Hein? Comment elle peut vivre là-bas? Hein? Vu les gens disaient que c'était une SDF. Franchement. C'est même pas une SDF. Hein? Nous ne sommes pas chez nous en Europe ou aux États-Unis. Il faut que les parents africains arrêtent. Hein? Mais je crois que tellement les gens ont fait des études soi-disant pour devenir des docteurs, des études soi-disant pour devenir des grands écrivains, mais je crois que ça bousille leur cerveau d'intelligence. Tellement ils ont trop appris la langue de Molière.
Ils sont devenus plus cons et plus idiots qu'un Français. Hein? Donc, tout ce que tu es en train de dire là, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, le peuple gabonais doit penser aux Gabonais qui souffrent. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui écrivait, dont on dirait en t'injuriant, de singe. Mais celui qui t'injure de singe, il se moque de lui-même. Parce que l'homme blanc, quand il voit, hein, ce que Bien sûr. nous écrivons dans les réseaux sociaux, quand un Africain injure son parent africain, mais l'homme blanc, il rigole. Hein? Donc, ça veut dire l'Africain. Je me rends compte que c'est l'ennemi de l'Africain, ce que j'avais Bien envie de sûr. dire, que Sans nous restons ensemble. voilà, sans pouvoir te couper. Lorsque les Allemands affrontaient avant que la France puisse avoir avant qu'ils puissent avoir la Révolution française. Lorsque Hitler attaquait les gens pour faire. Bon, quand il faisait ses plans, Hitler travaillait avec des personnes certaines qu'il ne pouvait pas trahir. Et si on constatait un indice de la France dans le groupe allemand de Hitler, mais on te trouve suspect, on te balise, on te tue sur le champ. Mais nous, on ne peut pas combattre un système comme ça de 50 ans parce qu'ils ont un groupe qui réfléchit mille fois mieux que nous. Mais on a des gens parmi nous qui sont en connivence avec le système, mais quand il s'agit de siéger au Conseil gabonais de la résistance, il n'en fait pas. Il est même leader et puis il tourne, alors qu'il parle avec les gens qui pensent vraiment c'est un voyou. Puis il pense vraiment qu'il travaille au gouvernement de Congo. Et puis lui-même, Mesti dit que c'est le gouvernement en place, c'est un voyou. Mais prendre des matchs avec un voyou. Toi, tu parles avec le voyou en question. Tu es même comment d'abord? Tu es voyou? Et ils ont peur de le dire. Ils accusent d'un job pour rien, sans preuve. Bon, maintenant, avec Messi, ils ont peur de parler. Tous prennent des casseroles. On sait comment. Vous savez que si je mourrais au cours de la tourment en 2016, pour l'œil percé, je vais prendre les conneries comme ça. Et moi, ça allait me faire quoi? Je vais me révolter contre eux. Pardon. Toute façon, ce que les peuples gabonais doivent comprendre, le combat que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un combat spécialement pour nous, hein, mais c'est pour nos enfants et les enfants de nos enfants, les générations futures. Parce que si on ne se bat pas, si on ne se bat pas, hein, l'Afrique sera une Afrique sans l'homme noir. Car l'objectif de l'homme blanc, c'est exterminer l'homme noir et remplacer par l'homme blanc. Parce que l'homme blanc n'aime pas l'homme noir. Il faut le comprendre. L'ennemi de noir, c'est l'homme blanc. Voilà pourquoi les Kimpavita ou Simon Kimbangu, dès qu'ils voyaient l'homme blanc au Congo RDC, à l'époque le Congo avec le K, ils pointaient du doigt, ils disaient, voici les diables qui arrivent. Ils les appelaient les diables. Quand ils voyaient les missionnaires, ils disaient que c'était les serviteurs de Satan. Et c'est vrai. Aujourd'hui, regarde l'Église catholique. En peu de temps, Notre-Dame s'est brûlée. Regarde, beaucoup d'argent est sorti. Mais quand il y a les migrants qui dorment dehors dans Paris, ou des enfants qui meurent de faim, ou des hôpitaux au Gabon, il n'y a pas de perfusion, aucun riche en France fait sortir l'argent. Mais ça veut dire quoi ça? C'est le Gabon qui nourrit la France. C'est toute l'Afrique qui nourrit l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête de prendre le peuple africain pour des cons. Hein? Il faut qu'on arrête. L'Africain, c'est lui qui nourrit l'Europe, les États-Unis et tout le reste du monde. C'est l'Afrique. Sans nos minerais, ils sont zéro. Et moi, je veux que le peuple gabonais vive bien. Le peuple gabonais ne doit plus souffrir. Le peuple gabonais ne doit plus aller dans des décharges pour chercher à manger. Il faut que ça cesse. Hein? Parlons des vrais sujets. Je veux que les enfants, tous les enfants gabonais aillent à l'école, car l'éducation nationale doit être pour tous. Hein? Je ne veux plus qu'on dise que les enfants des riches dans des écoles privées. Non, 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 il faut arrêter. École publique pour tous. École privée, il faut arrêter cela. Ça amène l'exclusion. Et je crois que Dieu est très intelligent, parce que quand nous naissons, nous venons seuls. Et quand nous mourons, nous partons seuls. Voilà pourquoi les gens doivent regarder les cimetières autour de nous. C'est une leçon pour dire, vous êtes là aujourd'hui, mais demain, vous ne serez pas là. Et ça, les gens doivent le comprendre. Et moi, je veux que
Aujourd'hui, la femme qu'on ne respecte plus en Afrique, la femme qu'on prend pour une arme de guerre, qu'on respecte cette femme, parce que c'est la femme qui donne la vie. Hein? Et que les crimes rituels, ça cesse, parce que l'être humain n'est pas un lapin ou un cobaye. Je te redonne ta parole. Que Dieu te bénisse pour ton direct. Merci, mon cher grand. Merci d'avoir intervenu. J'espère qu'ils ont compris. On a tout l'hypocrisie dans notre formation. Merci beaucoup, mon cher grand. Dieu te garde. Merci. Et toi, pareillement. Merci. Voilà, je n'arrive pas à te couper, hein, c'est pas. D'accord. Donc voilà, il faut qu'on puisse être dans une résistance qualitative, sans hypocrisie. Comment les mêmes personnes qui sont. C'est vrai que même moi qui suis en train de parler, quand j'ai vu la vidéo, j'ai partagé. On a aussi fait du mal à la fille là. Bon, maintenant, mais c'est quoi, vous avez peur de parler à Messi, pourquoi? Vous avez peur de parler à Messi, pourquoi? Je vois, il y a une norme, il fait un message au sens du poil. Et elle fait aussi au sens du poil. On même pas de parler au nom de Messie. Mais c'est Dieu. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Si vous critiquez le pouvoir en place, si on critique le pouvoir en place et qu'on peut les enlever de là, c'est parce qu'ils font des mauvaises choses. Mais si maintenant autour de nous, il y a des gens qui font des mauvaises choses, on ne peut pas leur parler. On va foncer avec les gens qui marchent avec la tête, alors qu'on marche avec les pieds. Faut arrêter. Oh. Mais si tu as reçu mon message. Ils sont pleins qui vont te parler. Mais moi, je n'ai pas peur de toi. Faut pas dire que Babacar est mon crépin au Gabon et que quand tu vas rembarquer Messi en France, il va venir ici. Ou s'il ne peut pas m'atteindre, il amène son fils. Après, si on peut te casser la gueule, on se casse la gueule. Il faut arrêter de faire l'hypocrisie. Dis à ton gamin que c'est un voyou. Moi, je dis ça. J'assume mes mots. C'est un voyou. Si tu veux demander, si tu veux rendre service à quelqu'un, mais tu vas pas lui mettre la condition, lui mettre la condition, tu ne lui rends pas service, tu l'empêches de s'exprimer. Prends du recul, mais ouais, voilà, prends du recul, je parle avec Messi. Messi c'est qui, Franck? Messi c'est qui? Parce qu'il met la teinture noire. Qui n'a pas, y a pas ça ici? Même le charbon, j'écrase, je mets l'eau, je fous à la tête. Alors, faut arrêter l'hypocrisie. Faut arrêter l'hypocrisie. Moi je ne peux pas continuer à faire ça. À travailler en réussissant pour dire qu'on va se libérer avec les gens qui sont des liens à gauche et à droite. C'est pas comme ça. Ici, il y a plus la brutalité que en France. En France, vous pouvez marcher, là, ils vont lancer les gars, après, ils vont vous laisser, ils vont vous laisser. Mais nous, on attrape, là, c'est la mort. Si je ne suis pas, c'est la mort. Tous les jours, la mort avec nous. Et comme ça, quand les gens on demande font l'hypocrisie. Et maintenant, quand vous allez demander au peuple que non, au peuple gabonais, allez-y vous retrouver à Rio. Le peuple gabonais voit vos bavures sur les réseaux sociaux. Vous allez les convaincre comment de venir affronter les flics alors que vous-même là-bas, vous fécondez avec le système. Ça ne peut pas aller comme ça. Il va venir au Trocadéro, ça y est public. Hein. Il va venir au Trocadéro, les gens auront peur de lui parler. Même si vous ne pouvez pas lui parler, mais faut lui tirer les oreilles. Qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de se moquer des gens qui ont été souffrés ici. Moi, je peux laisser la résistance, on va m'amener nulle part. Et je peux vivre ma vie. Mais j'ai un combat auquel je mène parce que je veux foutre ce pouvoir dehors parce qu'ils ont tué mon ami Moutouba du côté de la survie, crime rituel. Et je ne peux pas accepter de fléchir. Mais quand j'apprends des choses comme ça, ce n'est pas normal. Le gouvernement gabonais, c'est des voyous qui sont là-bas. Mais c'est une bonne nouvelle quand tu dis ça, messieurs. Mais Fangema est parmi les voyous. Fangema est parti au One Planet Summit. Il dit à Bakali, bon vivant. Alors que toi, là, les vidéos, tu dis qu'il est mort. Mais pourquoi tu n'as pas fait une vidéo pour déconstruire Fangema? Tu as peur de dire que Fangema se renouvelle Mbaoba. Mbaoba a été mis sous sol précipitamment par ce pouvoir en question. Tu peux dire ça, Fangema? Mais c'est pourquoi c'est pas parce que. Il te tient par les couilles. Si tu as pris son argent, à tout moment, il va te dire que bon, mange la chiotte, tu vas manger. Il va dire que si tu ne manges pas la chiotte, je t'expose. Parce que quand ils te font les mandats, c'est tracé.
Il t'expose. Donc là, tu te mets comme un chien. Tu es sous sa botte. Et c'est ça que toi, tu voulais aussi faire à sur le Hervé. Hervé a refusé. Soit fier d'avoir un Gabonais comme ça. Hervé a tout perdu. Il pouvait accepter et ne pas envoyer l'audio sur tout le monde. Et si maintenant Hervé n'avait pas envoyé l'audio, toi tu devais être là en train de respirer l'eau chaude, l'eau froide dans la résistance, alors que tu es un voyou. Je ne connais pas ta vie, mais je ne sais pas si tu travailles là-bas. Si tu travailles, tant mieux. Si tu ne travailles pas, mais forcément, on va te corrompre. Même moi, je suis résistant, non? On me paye combien ici-là par semaine? Je travaille pour un Nigérian. Tu vois combien de fois il me traite dans mon propre pays, mais je suis obligé d'accepter. Je peux aussi accepter les propositions des gens de l'UJPDG de l'Ambarné. Est-ce qu'ils ne m'ont pas approché? Allez-y demander à Vivier, à Mos Peya. Il avait envoyé son représentant de l'UJPDG à l'Ambarné, non? Kalusha. Il m'a rencontré, on était dans la voiture. Il m'a même fait des menaces. Qui vient de vivre à Mos Peya. Il pourrait aussi dire que, bon, ok, d'accord, quand j'essaie de bosser avec vous, mais en solo, en venant faire genre le jeu de la résistance, mais ici, dans le pouvoir, faut arrêter. Vous voulez me mettre complice avec les tueurs. Ça veut dire que si je flirte avec un gars qui possède le pouvoir en place, c'est que ceux qui sont morts depuis des années, que ce pouvoir a tué depuis des années, c'est que moi aussi, je suis responsable. Et mais si tu veux avec un gars qui est aussi responsable, si le gouvernement en place, c'est des assassins, c'est des voyous. Toi, Franck Guéma et tous ceux qui sont en cachet avec toi, vous êtes des voyous. Et quand nous on pleure ici, tu es à l'origine de nos larmes qui coulent. C'est la vérité que moi je te dis. Voyous. Voyous. Faut lui passer le message. C'est moi qui ai dit ça. C'est un voyou. Allez, moi je vous laisse. Un chien comme ça, il parle d'ici qui veut m'arriver par le bois. Et puis une dossier. Il faut te respecter, un grand frère. Yannick Ndomba, grand, il faut te respecter. Hein. Pour moi, tu es un modèle. Mais là, tu es en train de chien. Hein. Faut te respecter. Il faut aussi demander pardon aux gens que vous avez fait du mal en leur disant que ce sont des corrompus, alors que vous ne venez pas les preuves. Hein. On a fait du même avec Moulinda et Adjadis. Hein. Là, maintenant, on a fait avec, il faut faire avec Danger sans preuve. Avec Rigette aussi, pareil, sans preuve. Là aussi, il faut aussi. Je veux voir un post où tu dis que Messi c'est un voyou. Sinon, moi, je vous bloque, vous tous. Vous comprenez, non? Voilà. Je vous aime, mais arrêtez de faire chier les gens. Arrêtez de venir protéger un voyou. C'est un voyou. Un voyou qui est bien habillé. Messi, tu es un voyou. Oui, mon ami, il n'a qu'à venir au Gabon. S'il est fâché, il est au Gabon. Ou s'il est fâché, il dit à son ami, le libertin des prisonniers politiques, il est venu me prendre, me mettre là-bas. En prison, voilà, c'est tout. Mais je dis la vérité. Il n'est pas d'accord, il cale en l'air. Après, tu veux faire une vidéo sur la papa Sabali, non? D'où est-ce que tu dis qu'il faut demander pardon? Toi, si tu demandes aussi pardon à la résistance, je sais que tu c'est pas bon. Tu veux pourquoi avec Franck Guéma? Bon. Tu as même quel âge là-bas? Franck Guéma à quel âge? Si Franck Guéma, c'est ton petit, tu vois, tu es un petit comme ça? Un petit comme ça? Même quand tu posais même les questions même à Lukaga, et quelques questions que tu posais, qui semblait vouloir le toucher au plus profond pour qu'il puisse arrêter. Et si même si tu peux même faire même un programme avec la GR pour bloquer Franck Guéma. Comment ça? Oui, mon père, François, je ne me fâche plus. Mais pas d'hypocrisie. Si tu n'aimes pas un pouvoir et son gouvernement, et que même si ton parent travaille là-bas, tu as le droit de dénoncer que c'est aussi un voyou. Ma tante qui est infirmière,